Mais quel beau petit résumé, tiens! Salut les amis, salut les connards, de retour pour les aventures de Resident Evil 7, ou Outlast, voilà, on va plus dire Outlast 7, hein. Où le script est parmi nous, oh putain, le script. Le script qui veut ma mort, quoi, clairement, sérieusement. C'est triste, c'est décevant, c'est triste. Enfin bon, troisième épisode que je fais d'affilée. Voilà, je n'arrête pas. 30 minutes cette fois-ci, on va pas faire de trop. Voire un petit peu moins, on va bien voir. De toute façon, il faut trouver une safe zone. Il faut avoir un moment où on a un peu trépied, donc j'espère que ça durera pas trop longtemps. On a largement le temps, c'est juste que je suis chaud là. Je suis chaud boulette. Je pense que ça va être la dernière partie pour aujourd'hui. Mais par contre, le son va toujours trop fort pour moi. J'ai dû mettre quand même un petit peu. Alors, musique, effet sonore. Voilà. Parce que sérieusement, c'est abusé. Hein. Vous imaginez même pas comme j'entends fort. Hein. Parce qu'en Action Mirror, ça a une petite tendance à diminuer un petit peu trop le son du jeu. J'ai essayé de réduire ça, mais pour pas que ce soit trop pour mon micro. Donc c'est compliqué, vraiment, c'est chiant. Donc j'ai pas mal de balles. J'ai une solution saline, mais il me faut une plante. Je vais quand même la garder. Donc j'ai un couteau. On peut pas. Ah! Ça pue la merde. Ah, quoique, non, c'est bon. Non, non, qu'est-ce que je dis, c'est bon. La molette fait automatiquement. Je crois qu'il fallait autoriser l'action en plus. Ok. D'où vient cette musique à la con? Bon! C'est bon, elle ferme sa gueule. Ok, c'est la safe zone. En fait, c'est juste pour te prévenir que t'es dans la safe zone. Bon, le père est mort. Déjà, un emmerdeur à moins. Ah, putain de torture à la con. Bon, ici j'ai tout fouillé, j'ai cassé le petit secret. Ils aiment bien la peinture en tout cas. F. Voilà. Le corps du centaure. Bon, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. C'est là où tu devrais pouvoir regarder à travers un. Oh putain, je crois que c'est un mec! Bon, on va quand même fermer. Ah, on peut pas. On va te faire foutre. Alors. Ah, oh, espèce de con. 7 du 7. Non, mais elles ont vraiment un problème, ces portes. Salope. C'est quand tu veux que je te ferme. Ah, voilà, c'est bon. On se capte tout de suite. Bon, je peux combiner maintenant. Ah, oui, c'est vrai, il faut que je passe par là. Voilà. Donc, shoot me. Voilà, c'est là où j'ai compris qu'il fallait utiliser un couteau. Et non une arme. Pourquoi gaspiller des balles inutilement. Une poudre pourrait être mise dans des cartouches là, avec des fluides chimiques pour créer des munitions de pistolet. Ah, et le bout de ferraille, on le trouve où? On garde dans l'œil. Hein. On utilise les pièces antiques pour faire des... cartouches. Ma petite Zoé, tu commences à tu vas me faire une petite crise cardiaque là. Hein. Mon père t'a donné du fil à retordre. Ah, c'est bon, il est Père? KO. Il l'a été. Ah. Je suis désolé, mais. T'as pas honte de traiter ton père comme ça, mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver en fait. Ah. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Donc il est Il mort. faudra une sorte de clé pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Ok. Bon. Ma mère de Frankenstein. Ok, donc il me faut des têtes de chien, trois têtes de chien. Je n'aime pas ça. Non mais mec, tu défonces la vitre et c'est bon, hein. T'as une caravane super stylée là. Il y a trop de bruit dans cette baraque, hein. Putain. Ok, il me faut des clés scorpions maintenant. Ouais, ça je me rappelle, les clés scorpions. Pendule d'horloge. Ok, ça fait moins de bruit, c'est mieux. Alors, le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse du début de recherche pour tenter de retrouver Hélène Mitkiff.
Une étudiante originaire de la Caroline du Nord en voyage en Louisiane. La jeune a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative aux deux dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart des touristes et des personnes mortes. La police qui privilège le bien soupçonne un lien entre les différents incidents, intensifie les enquêtes de visage du pays le plus grand nombre d'effectifs de la région. Ok, bah ça a pas super bien marché. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oh, t'aimes bien la morte. Directement à crâne. Est-ce qu'on me voit dans le truc? Ouais. Ouais. Ah, je suis un mec, ok. Bah oui, je le savais. Oh putain, je veux le chapeau de cow-boy. Ok. Ils ont vraiment un goût bizarre. Hein? Cooking knife. Ah, comment cuisiner lui-même? En 10 leçons. Le chasseur des... Attends, calme-toi. Représente un chat qui regarde en l'air et aboie. Ok. Living room. Ok. Living room. Putain, il me fait vraiment flipper ce putain de truc. Alors, ah, tiens, produit chimique. Donc, il me disait d'utiliser ça. Combiné. Voilà. Faire des munes. J'en aurais les masses comme ça. Alors. Rien de caché. Là, on n'a pas super bien fouillé ici. Une fourchette, une biscotte. Des chips Louisiana. Win. Winkley Prize LCS. Ouais. Ah, il y en a bouffé. Par contre, il va falloir quand même que tu m'expliques comment il s'asseye sur des trucs comme ça. Hein. C'est pas que c'est à peu près de la table, mais c'est tout. Ah, c'est moi qui fais ce bruit-là. Salut le minou! Oh! La petite vieille. Toi, tu vas me faire un coup de pute. Evelyne 2 mai 2014. Ok. Des dates, ça sent la merde quand même. Attends. Peut utiliser ça? Ok. Alors, ils aiment bien de faire du basket américain, on dirait. Ben voilà, on parlera de ça quand il me chopera la prochaine fois. C'est le frère, hein. Alors. Pas de passage secret, non? Alors, mamie, tu cherches la merde? On peut pas la viser. Ah, tu me contrôles, c'est ça, mentalement. C'est ça, hein, professeur Xavier. En tout cas, t'as joué dans les fenêtres, toi, ton Twitch, hein, t'as la même gueule. Hein. Tiens, cette horloge-là, je peux pas l'avoir. Non. C'est quoi ça? Flipote. Alors. Personne? Faut envoyer du père. Ah, du père, ok, c'est pas du fils. Bah, le père est mort ce soir. Et là, on se calme tout de suite avec la porte. Ok. On va pas aller tout de suite par là. La confiance. Eh, mais c'est la mer, ça. Ça bouge. Elle part toute seule, grosse cinglée, va. Espèce de grosse tarée. Alors, qu'avons-nous là? Ah, c'est ce putain de vent. Attends, parce que c'est quoi ça? Ah, le trou. Y a-t-il quelqu'un, monsieur? Bonsoir. Vous entendez ce petit bruit-là? Voilà. Donc, j'upload la vidéo. Elle est finie. Partie 1. La partie 2 est en cours. Il va me falloir encore 2 heures.
Non. Il va me falloir accrocher, c'est ça? Ok. Bon. Par contre, ici, je me souviens plus du tout comment ça va se passer. Ah, mais c'est l'étage en bas. Ok. Donc, si je veux fêter le père ou le frère, dont le frère, le père est mort, je peux passer ici. Ah non, je peux. Si, je peux. Voilà. Putain. Je peux me barrer par là. Ok. Il y a du paplard, là, je peux pas lire. Vous avez un petit problème de mémoire, les amis, hein. C'est quoi cette merde là? Ouais, ici ça ne dit déjà rien. Putain de porte à la con. Pièce antique. Ça marche, mon frère. Alors, les poubelles. Oh, on a trop de balles tout à coup. Ok, encore des pilules, des pilules, des pilules. Alors, j'ai combien de medikits? Ah, je commence à avoir trop de balles. Hein. C'est pas bon signe, tout ça. On nous donne vraiment beaucoup de trop de balles pour vraiment galérer plus tard, en fait. Et... oui. Ouais, est-ce qu'on peut pas tirer? Statuette en bois. Une crade de tapis de la baignoire. Ouais. Oh! Tu te fous de ma gueule là? Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort. Non mais t'es sérieux? Ma petite fille nous a donné un... En un mot commençant... Ok, je fous le camp mon gars. Mettre la safe zone! What the fuck mon gars? La sauvegarde, tout de suite. What the fuck, j'ai bien fait attention. Hein. Attends, mais il va crever comment lui? Il va crever un jour? Il est où? Il est derrière la porte, ce bâtard. Non, j'aime pas ça du tout. Ah, il est là. Alors, bâtard. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Tu m'as perdu de vue? Tu sais que je vais finir par te trouver. Ah, ça l'affaiblit. Alors. Non, je suis dans la... Merde. Oh, le bâtard. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon? Ouais, non, c'est pas bon du tout. J'aime pas ça du tout. Il va se régénérer, ce bâtard. C'est pas très sympa. C'est bien ce qui me semblait. T'as pué la merde. Eh non, le script te nique. T'as essayé de tu m'as niqué avec le script? Bah, je te nique avec le script. Viens ici. Petit bâtard. Ouais, par contre, j'aime pas trop ça. Alors, hein? Eh oh, tu reviens là. Attends, je recharge, tu permets? Non mais, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? T'es sérieux là? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais plus avoir de balles bientôt. Mais prends le couteau, qu'est-ce que t'attends?
Non, ok, c'est bon, c'est ok, c'est pas la solution. Recommencer. Putain, mais comment je peux le faire? Je peux juste le ralentir en faisant ça. Ah bah attends, bah non. Non, non, si je prends par là, je vais être baisé parce que je vais être dans la salle à manger. Voilà. Attends, laisse-moi réfléchir. Il est où le Kevin là? Kevin! Ça a bugué? Je l'entends pas. Oh, Kevin. Ah, c'est quoi cette blague? Ah, il est au-dessus. Ah non, il est bugué. Mort de rire. Il est bugué. Ah par contre oui. Le fusée à pompe, attends. Ah. Je peux pas mettre ça? Putain. Non plus. Attends, par contre je peux peut-être combiner ça. Non, non, attends. Laisse-moi voir. Est-ce que je peux pas combiner ça? Alors, je peux juste regarder. Et ça, c'est quoi alors? Donc, ok, je remets le pompe. Ok. Ok, donc il va me falloir un contrepoids à sa taille. C'est quoi ça? Une étrange sculpture en bois. Statuette en bois. Ah, mais attends, oui, je sais, c'est pourquoi ça? C'est pour ça, non? Voilà! Ça, par contre, cette partie-là, je peux vous jurer que je ne l'ai pas faite. Ok, le piaf est à l'envers. Oh putain, vas-y quoi. Comment on fait pour pivoter? Mais non! Quoi? Putain, il est là! Vêtre, retourne au fusil à pompe! Je me cache. Ce n'est pas le moment, mais toi, tu veux que je fasse quoi, moi? Il avait la cible, mec. J'ai vidé toutes mes balles dessus, qu'est-ce que je fasse de plus? Attends, enfin, tellement... Bah non, le feu, ça lui fait rien. Une balle à la tête, c'est comme ça qu'il est mort, donc je me suis dit, bah peut-être que ça va le ralentir, ouais, mon cul, ouais. Putain, qu'est-ce que je dois faire? Attends, laisse pas réfléchir. Faut que je remonte en haut. Toutes les portes sont fermées. Pourquoi il m'a dit que c'était pas le moment? Qu'est-ce que je dois faire? Putain. J'ai fait toutes les portes pourtant. Bah ben ouais, je crois. Allez, vas-y, remonte à l'étage que je refasse la statuette. Je vois que ça. On va un petit peu voir comment il fonctionne. Son pattern. Alors, il fait que des allers-retours en haut, en fait. Il descend pas les escaliers. C'est ça? Si, merde, il descend les escaliers. Chut. Comment je peux faire, putain? Qui remonte? Oh putain, il remonte pas du tout, il est là. Putain de plancher. Il m'a pas vu. Oh là là. Ok, il remonte. Vas-y, continue. Comment je peux faire, putain?
Est-ce qu'il va passer la porte? Vous croyez qu'il va passer la porte? Ou il va faire encore ce petit chemin à la con? Tout simple. Attends, je vais regarder si je peux interagir maintenant. Ok, je peux interagir. Donc je peux faire le truc. Ok, il vient d'ouvrir la porte. C'est le moment. Il faut que je... Oh là, l'aigle. Allez, l'aigle. Plus vite. Alors, putain d'aigle sur ça. Putain, comment tu veux que je fasse? Là. Donc il est à l'envers. Voilà. Je suis presque. Mais comment je fais pour l'orienter à gauche? Ok, il faut faire à gauche tout simplement. Voilà, comme ça. Ok. Voilà. Allez vite avant qu'il se ramène. Je joue pas avec mes couilles. Qui a construit cette baraque? J'avoue. Je sais pas ce qu'il avait pris, mais ils sont parano comme pas possible ici, hein. Maintenant, je sais que je devrais retourner aller en haut, mais pour l'instant, je sais baiser. Tant que le mec se promène, moi, je vais pas là, hein. Alors, rien à terre. Je suis où là? Je sais pas du tout où je suis. Bon, je pourrais pas prendre une... Ah non, je crois que c'était des plaques de métal là. Ok. Un peu d'herbe. Voilà, ça va me faire un peu des slots libres. Du plaid de cartouche. Ok, ça va te casser la gueule, le frigo. Ok, produit chimique. Salut, toi. Utiliser la spie pour repérer les objets. Ok. Pour repérer... Quoi, c'est... Ouais, c'est pour m'aider. Bon, j'en ai pas besoin. Bon, je suis déjà assez parano comme ça. Je vais pas gaspiller ça. Ça, ce serait un truc, à mon avis, que tu utiliserais plus pour la fin du jeu. Pour voir si t'as... Si t'as tout récupéré. Je suis passé à côté de toi, je t'avais même pas vu. Mais on scampe tout de suite la baraque là. Alors. Ça marche pas. Il me faut une corneille. C'est quoi ces portes à la con? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, tu te fous de ma gueule, c'est quoi ça, minigun ça? Ok. Bon. Je pense avoir fait le tour, je vais fermer le frigo, ça aussi. Bah non, ça je vais le laisser ouvrir. De toute façon, je pense que ça va se refermer automatiquement. Pas de passage secret. Toute cette herbe-là, on peut pas l'utiliser. Bon bah c'est bon, on a fait le tour. Toi, t'as rien à cacher, non? Ok. Il y a vraiment de trop de bruit, hein. Quelle belle plante. Putain, mais... Attends, il va falloir beaucoup de trucs de crochet, hein. Je n'ai pas vu encore un seul. Depuis le début. Ou autant filer un gratuitement, là, pour bien te dire. Hein. Donne à son enfant. Résultat concluant pour le mari, il est... Le 12e, malheureusement, la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle. Trois étudiantes, elles ont pourri toutes les trois. Lucas est un imbécile. Il a muté en 3 jours, c'est le 13e. Ok, donc il faut clairement des expériences, quoi. Attends, attends. Montre-moi la photo. Ok. Il veut pas. Il veut pas, bâtard. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas l'ouvrir. Ah, des asticots. Dégueulasse. Attends un petit peu. Non, je peux pas, je pourrais rien faire.
De la poudre. Ok. Encore une pièce antique. Voilà, en fait ils ont tellement bien illuminé qu'il a même plus besoin d'un... de trucs, de l'orbe de poche. Bon, il me semble que c'est bien ici, hein. On est bon. Ce serait bien d'avoir une petite scène zone dans le coin. What the fuck, c'est quoi cette merde noire? C'est la porte qui fait ça ou... Ouais, j'aime pas du tout l'atmosphère, hein. Là, on est dans l'Eden, là. J'aime pas du tout ça. Ça brasse, putain de merde. Oh, il y a un truc qui va sortir, là. Je... Reste bien ouvert, toi. Hein. Ça sort le script à plein nez. Voilà, c'est bien ce que je dis. Non, la porte! C'était quoi cette saloperie? Vas-y, viens! Putain! C'est quoi cette merde? Putain de sa mère. Il est parti. Où il va me niquer? Ça remue là. Il y a des araignées. Quoi, il peut se changer de... Il est parti. C'est bon, il a foutu le camp. Bon, par contre, je ne vois strictement rien. J'aime pas ça du tout. Hein. On va vite foutre le camp, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon. Gentil, allié, ennemi. Bon, la porte, tu restes bien ouverte. Hein? Tu restes bien ouverte, s'il te plaît. Ok, encore un truc scorpion à mes fesses. Ça me rassure pas du tout. Ah yes, une zone safe. Ah voilà, crise cardiaque. Alors, plaid balle. Ah, je préfère ça. Ah, putain, mais vas-y, t'en fous des crochets à toi. Ok, donc, on va stocker. Stock. Donc ça, c'est de la potion, on la garde pour plus tard. Je stocke les bouboules. Ça, le produit pour tatouer de la loge, il écrit 6 jours. Aucune idée. Aucune idée, mais par contre, tab, combinaison. Voilà. Et je vais les stocker. Dans le truc. Donc ça, c'est un objet, on le garde sur nous. Allez, je suis maniaque, s'il te plaît. Voilà. Alors, pont, pièce défausse, pièce antique, boîte de fourniture, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Mais allez! Sortir de la maison, obtenir le fusil. Quoi? Ah! Ah, mais merci. Une boîte ouverte à côté d'objets, donc ça je peux dégager alors. Attends, on va d'abord stocker avant qu'il me fasse quoi que ce soit. Donc, j'ai 3 poupos. Plus ça, 0 mètre, soit il reste complètement la vie.
Allez. Transférer. J'ai deux plantes. J'ai trois remèdes. Bon, trois remèdes, on va dire que c'est bon. Hein. Je joue avec mes couilles, je sais, mais... Ça limite... je peux pas le dégager. Bon, on va le restocker. Hein. Avec un bug, peut-être que ça va me recharger. J'ai trois de bois, trois de remèdes. Un remède de premier soin en plus. Je vais quand même le garder. 6 jours. Ouais, je vais rester comme ça. Il me reste pas mal de slots. Donc. Ah. Je sais que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. C'est sûrement cette saloperie qu'ils m'ont fait avaler. Si je dois rester, je vais au moins me battre. Je vais m'emparer des fusils que j'ai vus dans la salle et leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Tu dois partir d'ici, Cournet, je t'aime. Mais par contre, l'autre côté. C'est un forêt, ça me met trousse, mais peut-être une or. Ah, il faut absolument que tu trouves les têtes de chaise sculptées comme clé. J'en ai vu dans la salle de dissection. Au sous-sol, mets la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Bon, à savoir. Oui, ça va. Je veux juste refermer le tir. Ouais, je peux pas. Ok, sauvegardons. Ah, ça fait tout de suite plaisir quand tu sauvegardes. Bon. On a pas mal. Pour l'instant, on se démerde bien. Hein. On joue un petit peu les fiottes, mais au moins on survit. C'était noir ça? Je me rappelle pas. Cet escalier me fait penser à Resident Evil 1, je crois. Ok. Non mais la queue de la merde noire partout ici, hein. C'est clairement pas rassurant, mon frère. C'est bon, ça bouge pas, ça. Ok. Ok, bon. Une porte en moins à fouiller. Il va me falloir plaide sur aide, sa mère. On a looté ici. Totale confiance au mur. Hein. C'est remue, mais c'est pas pareil que l'autre. Donc pour l'instant, je suis bon. Oh non! Sa maman! Ok, 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 ok. Qu'est-ce que tu me fais là? Coucher, j'ai dit. C'est quoi ces saloperies? On dirait les bazars de Salvation. Putain de bâtard dans le couloir comme ça, comme une salope. Ouais, la porte. Ça bouge, ça bouge. Il y a un truc là-dedans. Ouais, il y a clairement un truc. Ok, bon. Salita! Est-ce que je peux tiquer comme ça? Attends. Non, moi, si je viseur... Voilà. C'est triste, hein. Oh bah t'as refermé la porte tout comme un con. Oh. Oh t'as une sale gueule mon gars. Je peux pas te niquer comme ça. Oh.
Oh, c'est pas une bonne idée. Non. Ok, le couteau, c'est pas possible. Attends, le truc était bloqué à la porte, t'avais la tête qui passait, je pouvais même pas le tuer, quoi. Pff, la blague, putain. Ce jeu, sérieusement, là. C'est une blague. Ouais, donc là, c'était fermé, on est d'accord. Donc, est-ce que c'est aléatoire ou les mobs arrivent toujours au même endroit? Alors, c'était ce tournant-là, on est d'accord. Hein. Ouais. Voilà. Ok, il peut sauter donc. Charge, vas-y, ressaute. Voilà. Ok. Donc, tout quoi tu fais, j'aurais peut-être dû prod toutes mes balles. Alors, toi. Tu me frappes le coup. Ouais, donc vous voyez, la gerbe, elle est un peu plus grosse, l'autre, que celle-là. Mais arrête de fermer la porte. Tu te fais du mal. Je veux rentrer, connard. Oh. Ok. Par contre, la téléportation, elle se fait où, là? J'aime pas trop ça. Il peut se téléporter dans les merdes, là? Ok. Pff, c'est vraiment pour dire. Hein. Alors, j'ai attrapé le type qui passe autant et essayé de s'enfuir. Je l'ai enfermé tout à gauche pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Cherche-toi de lui quand il sera prêt. Tu te souviens comment on voit la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A, une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. 3A. What the fuck? Baiser. Recherche. Pff. Ok, en fait, il se cache tout simplement. Il ne se téléporte pas. Il ne fait que se cacher. Ah, il y a une bête sort là tout à coup. Ça me dit moi. Pourquoi je crois que le truc qui va sortir de là hein? Tamara. Bâtard de merde. Ok. Tiens, il en ouvre ça. Non? Il a rien en dessous là? Ok, donc il se cache dans les flaques et puis. Ouais, ça me fait vraiment penser à Salvation. Je l'ai pas fait, je l'ai juste connu un petit peu, mais. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon. On va essayer de trouver une save zone parce que là, ça fait déjà un moment. Donc ce que je vais faire, je vais remonter. Ok. Sérieux, c'est les bruits. Donc, c'est quoi ça? Pour être combiné avec d'autres objets pour modifier les propriétés plus fort que le fluide chimique normal. Attends. On va regarder un petit. Ah, c'est pour faire des potions plus puissantes, non? Voilà, c'est ça. Donc, il me faut de l'herbe. Ok. Ok, on stocke ça. Ça, c'est pour faire des pales. J'ai plus de produits chimiques, non, mais je vais quand même les garder.
Ah, il me reste plus beaucoup. Ouais, il me reste plus rien comme balle. 10. Munitions de pistolet. Comme ça, j'en ai 3 de plus. Ça va, ça se comble. Parfait. Comme ça, ceux-là. Voilà. Je les remets là. Bien, ça je sais toujours pas à quoi ça sert, mais en tout cas il va falloir que j'aille nettoyer tout en bas. Il a l'air d'avoir blindé de saloperie. Je suis fixé au moins. Sauvegardons. Mais voilà les amis, ça fait 33 minutes plus la intro, ça va faire 35-36 minutes. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette saga vous plaira. Ça fait déjà 3 d'affilée, donc voilà, j'en aurais déjà fait 3 avant que vous laissiez un petit commentaire. Je pense, vu que je suis pas super connu quand même, hein, il va falloir du temps. J'espère que ça va me faire sortir de l'ombre. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Demain, un ami viendra, donc on fera. Il amènera sa cam, donc on fera une partie. On continuera avec la webcam. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, n'hésitez pas à laisser des petits likes, des petits commentaires, hein, les amis, comme d'habitude, commentaires positifs, négatifs, pas les couilles tant que c'est structuré. Chaîne, si le contenu vous plaît, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, les amis. A très bientôt, salut.